Et coucou mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Donc nous on va faire ce quinté demain, cependant d'Auteuil, un quinté assez compliqué pour ma part. Donc le retour du boulier, je pense que ça va faire beaucoup plaisir à pas mal de personnes. Donc le retour du boulier pour demain, il est là. On va faire le boulier, vous inquiétez pas, parce que quand j'ai vu ce quinté là, honnêtement, qu'est-ce que je peux vous dire, que je crois qu'il est assez important, ils peuvent tous rentrer, donc je vais faire confiance au boulier, hein, quand c'est comme ça, vous le savez. Donc en tout cas, on va faire l'arrivée de Vincennes, ce qui est le plus important, 7, 2, 8, 4, 12. Autant vous dire que vous le savez, le vendredi soir, c'est quinté de un peu de grosse cote. Et souvent, je remarquais que souvent, je pense qu'à la prochaine fois, il faut jouer les drivers parisiens. Voilà, on a encore vu Nivard 2e, Gabi Jérémini 3e, voilà, la belle cote. Donc dans notre sélection, bon, on a le 7 qui gagne, qui on a mis en tête. D'ailleurs, c'était un choco bonus parce que j'en donnais que 2. Voilà, parce que vous savez très bien que moi, pour ceux qui prennent le petit journal Mika Turf, ils ont le tableau des étoiles. Hein, c'est une stat par rapport à une sélection par rapport à des stats. Voilà. Et après, je donne 2 chocos à jouer. Le choco du jour, le choco bonus. Et dans ces courses-là, j'essaye de donner le report en 2 sur 4. Je travaille que ces 2 courses. Donc en concernant mon choco, c'était la troisième, c'était Galinette, je crois, le 13, avec Mathieu Brivard, ils font bon deuxième. Et dans cette course-là, j'avais dit 13-14, c'est le couplet, couplet caisse, le couplet gagnant. Et dans le quinté, donc choco, le choco du jour, il fait deuxième. Le choco bonus qui gagne, c'était Facimer. Dommage parce que le 2 sur 4, j'avais dit faire 7 et 12. Ben, le 12 qui finit malheureusement très bien, mais que cinquième. Voilà. Mais en tout cas, les 2 chocos. Deuxième et premier à des cotes correctes. Voilà, Galinette 5 contre 1 ou 6 je crois, et Facehumer plus de 3 contre 1, donc c'est pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à recevoir tous les jours. Et d'ailleurs les chocos ce mois-ci, ils ont très bien marché, ils ont même explosé, c'était un record. Je vais essayer de faire quand même une vidéo de tous les chocos que j'ai donné. On est dans une semaine de fou furieux. De toute façon, vous pouvez aller voir dans ma communauté, je poste les résultats. Je crois que cette semaine, je sais pas si c'était pas, j'en donne deux par jour. Donc là, on rentre à vendredi, je sais même pas si ça n'avait pas eu 7 gagnants, quoi. Je n'ai pas donné déjà 7 gagnants. Peut-être avec ce soir, peut-être 8, quoi, avec Facimer. Mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas. Avec mon bouton rejoindre, si vous voulez, le petit abonnement, honnêtement, qui est abordable pour tout le monde. Et aussi pour les nouveaux joueurs, hein, qui veulent se lancer dans les paris hippiques, hein, c'est-à-dire grâce à mon petit journal, ben, quand je donne les chocos, vous pouvez jouer sur The Turf. The Turf qui paye le simple gagnant placé plus que le PMU. Donc c'est pas mal. Hein. Donc avec mon partenaire, vous avez vu avec mon code MikaTurf, le lien en dessous de mes vidéos. Tac, vous appuyez, il faut juste s'inscrire. On vous double votre premier dépôt. Et avec le code MikaTurf, on vous donne 10 euros supplémentaires. Voilà. Donc les amis. On va commencer comme d'habitude. Quinté, comme j'avais dit, assez difficile pour ma part. Les amis, c'est à Auteuil. Bon, il y a des chevaux qu'on connaît bien. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Que ce soit Folly Foot, qui vient de bien se comporter. Je sais qu'on connaît très bien Chichi de la Vega, Dinosaur, Inside Moliou. Pour ma part, hein, qu'on connaît. Colbert du Berlay. Voilà. Mais quand honnêtement on regarde les 16 partants, tous, surtout qu'on sait que c'est des surprises parce qu'il y a pas mal qui sont pas courus depuis 3-4 mois. Vous rappelez ben, le premier quinté d'Auteuil, hein, voilà, vous avez vu, hein, c'était une arrivée kamikaze aussi. Hein. Demain ça peut faire la même chose. Donc qui dit arrivé kamikaze, je suis obligé de faire le boulier. Ça sera sur les 3900 mètres. Attention à la météo, vous le savez qu'on commence à rentrer dans une période où voilà, les pluies vont tomber. Vous savez qu'Auteuil, souvent, ça sera du terrain très souple, collant, et après, ça va venir très lourd. Donc, voilà. Donc, les 16 partants, les 16 boules sont là. Comme d'habitude, la musique au fond, comme au loto. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la sélection loto. Allez, avec le boulier, c'est parti. On va commencer par nos deux bases. Mais avant ça, il faut bien qu'on mélange. Hein. Voilà. Donc, c'est parti. Première base. Attention. Ah oui, je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait du n'importe quoi. Ah, mais des fois, en faisant n'importe quoi, c'est là où on peut toucher des belles sommes. Hein, je vous le dis. Donc, première sélection, c'est le 4. Le 4, je crois que c'est le cheval en vue.
Je vais vous dire, j'ai même pas fait pas trop le papier. C'est le 4, c'est Colbert du Garlet. Ça tombe bien, c'est un cheval que je connais, on en a parlé. Donc attention, hein, on est tous l'entraînement de Marcel Roland. Donc attention à ce 4, la première base. Deuxième base, attention. Il faut bien mélanger parce que demain ça peut faire mouche. Hein. Et vous savez que moi je fais ma sélection bully. Ah oui, ça peut faire, si ça peut nous donner l'ordre. Allez, la deuxième base. Là, il est là. Hop là, c'est tombé. C'est le 5. Donc qui dit le 5 dit Numerus Borgette. Donc Numerus Borgette. Le 5. Voilà. Qui sera monté par Luca Luziani. Troisième de la sélection. Le coup de cœur, comme on dit. Troisième de la sélection. Attention. Hop là. Troisième de la sélection. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça arrive. Actuellement, je crois qu'il n'y a que des petits numéros, non? C'est le 3. Ah oui. Ouais, 4, 5, 3. Ça suffit. Hein, 3, 4, 5. Mais bon. Donc le 3. Miralago. Voilà. Attention pour l'entraînement de mademoiselle Daniela Mélé. Toujours en forme. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est des petits numéros que le boulier, hein, il incite. 4, 5, 3. Quatrième de la sélection. Attention. On va tirer ici. On va voir si c'est encore un petit numéro ou pas. C'est le numéro 6. Folie foot. Voilà, donc on continue sur notre lancée. Hein, c'est incroyable. 3, 4, 5, 6. Hein, mais dans une ordre différente. Ah, on sait jamais. Hein, ça peut être les planètes alignées pour demain. Je vous le dis. Donc le 6 qui va être un cheval en vue. Voire peut-être même le favori. Il a vu ce qu'il a fait récemment. Un troisième de Boquinté d'Auteuil. Donc voilà. Donc attention. Pour l'instant, ça me plaît. Hein, ce que le boulier me donne. Allez. Cinquième de la sélection. Attention. Le numéro 2. Donc le numéro 2, ah, c'est un truc de fou. Hein. Que des petits numéros. Et ça va faire une suite. Hein. C'est incroyable. 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, mais c'est un truc de fou. Donc le 2, Marvel de Chérizy. Voilà, Goffenic. C'est un bon cheval. Voilà, donc attention. Ne manquerait plus qu'une sorte l'as. Voilà, pour le sixième, ils vont croire que j'ai pipoté le boulier. Ah ouais, c'est une sélection. Ah, c'est incroyable. Donc, le sixième et le dernier de la sélection pour demain. Il est là. Tac. Qui c'est? J'ai cru que c'était là, ça m'a donné. C'est incroyable. Mais non, c'est le 11, les amis. Le 11, qui est moi, président. Moi, président. C'est pas une musique, ça? Moi, président. De la République. Bon, le 11, donc attention, moi président, le fèbre dessus, cheval qui est en forme actuellement, vous pouvez voir sa musique. Donc voilà, donc on a notre sélection en 6, et on va faire le dernier, là, comme on dit, le numéro complémentaire. S'il y a un nom partant, ça peut arriver, on va le replacer par son numéro, ce qu'on appelle mon regret quand je fais mes vidéos YouTube. Donc le regret, ça sera... En cas de non partant, on le remplacera par le numéro, tac, et c'est le numéro 16, les amis, le 16 qui est Okusei Valis. Donc Okusei Valis, le 16, voilà, peut-être un cheval délaissé, mais bon, parfois, qui sait. Ah non, c'est pas Okusei Valis, je sais pas pourquoi, mes yeux, c'est Dinosaur, un cheval que j'adore en plus d'ailleurs. Donc Dinosaur, attention à lui. Monté par Ferreira. Eh oui, un portugais. Qui monte pour Marcel Roland. Ça peut faire mouche. Et surtout, le petit poids de la course. Hein. Voilà, 62 kg. On sait qu'un star de rêve, c'est 72,5. C'est 10,5 kg de différence. Hein. Ça peut faire communiquer la différence. Donc attention à ce 16 Dinosaur. Il peut nous faire parfois des sacrés courses. Donc, vous avez compris les amis, ma sélection pour demain. 4, 5, 3, 6, 2, 11. Et en cas de non partant, on met le 16. Je vous incite pourquoi pas à faire le multi, hein, pour ceux qui restent sur le PMU. Hein, voilà, si je sais que ça existe le multi 7, si vous voulez faire le multi 7 de la sélection, pourquoi pas. Donc voilà, donc moi je ferai ma sélection 25% sur The Turf, comme d'habitude. Si on a le désordre avec ma sélection, je pense qu'on peut s'amuser déjà demain. Donc voilà. Conseil de jeu,
Bah, on va suivre la sélection. Hein. Le 4, Colbert Duberlé en safe gagnant placé. Et on va faire un couplet gagnant placé avec nos trois préférés. 4-5-3, couplet gagnant placé 2 sur 4 sur le site de The Turf. Voilà, les amis, pour ce tirage boulier, ça faisait longtemps, mais je pense que j'aurais pas fait mieux. Honnêtement, je pense que demain, je suis assez confiant, peut-être pour toucher un bonus 3. Allez, les amis, ciao, ciao!